Je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai choisi le nom de l'effet papillon. J'aime le papillon parce que le papillon, c'est le symbole de la métamorphose et de la renaissance. Ce symbolisme, il est présent dans de nombreuses cultures. Chez les Aztèques, par exemple, le papillon, il était lié à une idée de transformation et de renouveau après la mort. L'âme des morts, se réincarnait sous la forme d'un papillon. La chenille grandit, elle se nourrit beaucoup et se développe pour plus tard s'envelopper dans un cocon. Elle deviendra alors une chrysalide et passera 2 à 4 semaines dans ce cocon où elle va se transformer progressivement en papillon. Le cycle de vie de ces insectes est toujours le même. D'abord œuf, qui se transforme en chenille, aussi appelée larve, puis en chrysalide ou nymphe, avant de terminer papillon. Et ça, j'adore, je trouve ça beau. Voilà pourquoi j'aime le papillon. Effet papillon, effet marketing, tous les effets sont bons à prendre. N'oubliez pas de commenter, de liker, de partager et d'en parler même à votre coiffeuse. Allez, à très vite. Ciao, ciao.